Bon, ouais, c'était une course qui était dure, parce que le parcours il est quand même cassant, il y a beaucoup de. C'est très technique, comme je disais tout à l'heure. Et bon, il n'y a pas de boue, bon, pour un breton, c'est. Tant pis, hein, mais. Parce que tu es breton, d'origine breton, ouais, bah, j'habite à Brest. Mais du coup, je suis licencié au Somme, ouais, au Mans. Mais ouais, on est habitué à avoir de la boue, souvent, en Bretagne. Le trottoir, il est suffisamment difficile pour faire la différence. Il est particulièrement dur. Il y a des parties pour relancer, il y a un peu tout, quoi. C'est ça qui est bien. Il y a des belles bosses, il y a des belles descentes et il y a un peu de bois. Non, c'est vraiment un bon parcours. Voilà un parcours, si j'ai bien compris, on a du mal à récupérer. Il faut être actif en permanence. Tout le temps en prise, ouais, effectivement, ouais. Et bon, bah, surtout que bon, pendant la course devant, il y avait un bon groupe. On est resté 4 semaines souvent et sur la fin, 2-3, mais ouais, il n'y avait pas beaucoup de. Bah, surtout que la présence de Paul, c'est ça. Paul, ouais, du coup, tout le temps aux aguets, je savais pas justement qu'il était étranger. Moi, j'ai tout fait pour le battre quand même. Ça, on a bien compris. La poignée de main du maire à notre nouveau champion de France. Master, s'il vous plaît, monsieur le maire. C'est amusant parce qu'il gagne la première course et je vois les organisateurs de l'année prochaine de Carré qui sont là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de drapeaux d'Idole France. Mais belle course en Bretagne l'année prochaine. Voilà.